voix vous éclaire. Car nous sommes magiques, on s'élève de la terre jusqu'au ciel. Tel est notre lot, tel est notre lot. Et nos ailes brillent au soleil. On scintille toujours de plus en plus haut. Aussi, tu as cru en notre magie tout au long des jours, amis pour toujours. Les Wings et tous nos pouvoirs vous éclairent. Nous sommes forts, on t'emporte, bien c'est fantastique. Car nous sommes magiciens. Les Winx ont réussi à vaincre le dévoreur grâce à leur pouvoir magique et à leur intelligence. Elles ont aussi pu sauver les Selkies du pilier de la lumière. Mais lors du Conseil des Souverains, les chefs de la dimension magique ne sont pas parvenus à un accord et laissent ainsi Tritanus être une menace pour tout le monde. Je suis impatient d'activer le trône de l'Empereur. C'est pour bientôt. Tu pourras le faire dès qu'on aura les autres sceaux. Quand ils seront à nous, le monde nous appartiendra. Je vais te faire une confidence, Icy. Tu as déjà le monde à tes pieds. Oh, Tritanus. Ça devient complètement ridicule. Ah, tu me diras quand c'est fini. La 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 la. Dirigeons-nous vers le pilier de l'équilibre. Oui, et vers le deuxième sceau. Tritanus s'en va. Il faut que je prévienne Bloom. Il faut que je le fasse très vite. Je ne dois pas perdre de temps. Non! Vous ne devez pas aller là-bas. Mes chers souverains, Tritanus s'est déjà emparé du sceau du pilier de la lumière. Nous ne le laisserons pas s'attaquer aux autres piliers de l'océan infini. Comment peut-on être certain que c'est son intention? Vous suggérez qu'on attende de savoir si c'est vraiment le cas? On doit absolument protéger les piliers de l'équilibre et de la maîtrise de soi. Oui! Il faut que je défende et que je protège mon royaume. Père, Héraclion doit assurer la défense des piliers. Pas question. Héraclion doit assurer sa propre protection avant tout. Mon fils, je pensais que tu avais conscience de ça en tant que prince héritier de la couronne. Le meilleur moyen de défendre notre planète serait de s'allier aux autres royaumes pour se battre. Non. En ce qui nous concerne, Héraclion doit être notre priorité. C'est notre devoir. On ne doit pas y faillir. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Princesse Bloom, je regrette, mais cela ne regarde que mon fils et moi. Je ne vous ai pas demandé votre avis sur la question. Mais il arrive qu'un roi se trompe. Sky, j'imagine que tu penses que ton père a tort. Bloom, si tu veux bien nous excuser. Mais Sky! Bloom, je pense que ton entretien avec le prince héritier est terminé. Riven? Oui? Tu étais en train de chantonner. Désolé, j'étais dans mes pensées, je me suis laissé emporter par la musique. Ce n'est pas grave, je trouve ça très chouette au contraire. C'était la chanson préférée de ma mère. Elle me la chantait tout le temps quand j'étais petite. C'est vrai? D'ailleurs, c'est quoi ce magnifique chœur qu'on entend derrière la mélodie? C'est le chœur des baleines chantantes de la planète Mélodie. Le chant des baleines aide la planète à garder son équilibre. Maman, vois comme je brille, tu serais fière de me découvrir ainsi. Tous les habitants des mers peuvent écouter ta voix pour l'éternité.
j'entends les vagues au loin. La magie ne te ramènera pas, mais dans le chant des baleines, tu es toujours là. Le chant des baleines me rappelle ma mère. On était tellement heureuses chez nous à Melody. J'imagine qu'elle te manque beaucoup. Oui, elle me manque tout le temps, mais spécialement aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai, zut! Il faut que j'y aille. Quoi? Je suis désolé, on discutera plus tard. Hein? Attends, Riven! Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Il allait où pour s'enfuir comme ça? Je ne sais pas, vous savez, parfois j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Pourtant, on s'entend à merveille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'en reviens pas. Quel culot! Oh. Je suis sûre qu'il y a une explication. Oui, j'espère. Et j'aimerais bien la connaître. Qu'est-ce que Kiko est en train de faire? Apparemment, je ne suis pas la seule à être malheureuse en amour. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas le temps d'être triste aujourd'hui. C'est la journée de la chorale des baleines. C'est un événement. Les baleines chantantes de Melody vont apparaître au grand jour. Ah, bonjour, Musa. Bonjour, papa. Comment tu vas? Est-ce que tu es sur le quai des chansons? Bien sûr, je ne manquerai sous aucun prétexte le chant des baleines. Tu les entends? Tu arrives à reconnaître leur chant? Regarde-les, elles sont juste derrière moi. Oh, c'est génial. Comme c'est beau, ils sont magnifiques. Je voulais le soutenir et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de me demander de me taire. Sky est amoureux de toi, Bloom. Il m'a demandé de partir. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il a manqué de tact, mais tu sais pertinemment qu'il est fou amoureux de toi. Pourquoi il ne le montre pas alors? Bloom. Bloom. Daphné. Tritanus est en chemin pour le pilier de l'équilibre. Il veut s'emparer du sceau. Daphné! Il faut faire vite, Bloom. Le pilier de l'équilibre est en danger. Tu dois combattre Tritanus. Tritanus prépare un mauvais coup. Ah, le pilier de l'équilibre. Le monde peut trembler. Vous approchez du pilier de l'équilibre. On n'en a rien à faire de ce que tu dis, vilaine crevette. Vite, les Selkies, formation de bataille. Ridicule. Pas qu'il est merveilleux. Ah oui. Il est super fort. Ah.
Génial, tu assures. On se rapproche petit à petit de l'ultime domination de la dimension magique. Toi et moi, ensemble. On va régner sur le monde. Toi et moi. Ils ne se rendent même pas compte qu'on est là. En plus, ils s'en fichent complètement. Mais quand Tritanus et Icy seront empereurs et impératrices, qu'est-ce qu'on va devenir? Leurs assistantes personnelles. Alors ça, ça m'étonnerait. On doit leur prouver qu'ils ont besoin de nous. Tu voudrais qu'on sème la pagaille toutes les deux? Exactement. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne s'apercevront même pas qu'on est parti. Allez, viens. Rejoins-nous directement sur le bateau, comme ça on pourra partir toutes ensemble pour Mélodie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut croire que Bloom avait raison. Tritanus a encore frappé. Père, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, Sky, on doit immédiatement retourner à Héraklion. Notre royaume est en danger. Rentrez chez vous! Allez protéger vos royaumes! Allez assurer la sécurité de vos citoyens! C'est terrible! Il y a beaucoup trop de houle! C'est encore loin! D'après la carte, on n'est plus qu'à quelques milles. On arrive bientôt. Je n'avais jamais vu la mer aussi déchaînée. Les baleines chantantes ont disparu. Où peuvent-elles être? Ne t'en fais pas, Musa. On va les retrouver. On est arrivé. C'est parti, on descend. Oui, allons-y avant que tout s'écroule. Wings, transformation. Wings, magique, Sirenis. Qu'en était au plus profond. Thank you.
Regardez, les Wings sont là. Bloom, les Wings, Tritanus a volé le seau. Il est parti dans cette direction. Il est avec Icy. On va leur tendre un piège. Oui, bonne idée. Vous vous occupez d'Icy. Et nous, on se charge de Tritanus. On va récupérer le seau. Attendez d'avoir une bonne ligne de mire et attaquez-les toutes ensemble. Maintenant, on doit se cacher. Venez par là, les filles. Vite, dépêchez-vous. Attention, derrière vous. Venez là. Réussi à s'emparer du deuxième seau. Maintenant, on doit récupérer le troisième. Où sont Darcy et Stormy? Je ne sais pas. Peut-être qu'elles sont en retard. C'est pas normal. Oh. Si tu savais comme j'ai hâte de pouvoir tout dominer. J'ai tellement hâte d'avoir le monde à mes pieds. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mieux? Laisse-moi réfléchir. Rien du tout. Prête? Prête! À l'attaque! Allez, les Wings, attrapez-les! Les Wings! Quoi? Rayon aveuglant! Feu dévastateur! Attaque Naiade! Frappe numérique, fleur de lotus! Frappe de percussion! Ici. Ne t'approche pas d'elle. Diamant de lumière. Brûlure de lave. Piqûre de Neptune. Tritanus s'échapper. Non, ne t'inquiète pas, Stella. On maîtrise la situation. Bonne sieste, Icy. Oh non! Tritanus! J'arrive, Icy, je vais te sauver. Vite, Roméo! On te réserve encore quelques surprises. Ah! Coup de poing du trapon! Frappe Morphix! Elle a raison. Ça sent mauvais pour toi. Tu vas avoir de sérieux ennuis. Vous ne me faites pas peur.
Je l'ai! Non! Tu n'es pas très rapide, dis donc! Prends-le-moi! Prennent le contrôle des baleines chantantes de Mélodie. Pendant que Musa s'évertue à dompter les baleines grâce à sa chanson, les Winx se battent pour sauver le pilier de l'équilibre et ainsi éviter que la dimension magique ne s'écroule. Quant à Diaspro, elle fait tout pour s'immiscer entre Bloom et Sky. Nous sommes les...